Et salut à tous, c'est Kira, on est de retour sur Untitled Goose Game, le jeu où nous pouvons contrôler une oie qui va devoir effectuer diverses tâches. Nous sommes arrivés au centre-ville, il y a un enfant qui est juste là, donc je pense qu'on va pouvoir l'emmerder un peu. Alors les tâches, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors la première tâche qu'on doit faire, c'est casser le balai. Alors je crois qu'il y a un balai là-bas, donc on va aller le choper. Là il y a un balai. Ah, il n'y a pas que le gosse du coup. Salut, tu vas bien? Oui, c'est moi l'oie. Vous allez bien? Qu'est-ce qui... Ah! Ah oui, d'accord, ok, il veut me virer en fait, lui. Clairement. Attendez, est-ce que je peux attraper des objets là déjà? Non, c'est pas ça que je veux. Je peux pas attraper cet objet là. Moi, je vais attraper son balai. Oh, je vais le choper son balai. Eh, je suis là! Mon balai! Enfin, mon balai, c'est pas vraiment le mien, mais. Ah, je l'ai attrapé. Comment on va pouvoir le casser le balai? Ah, peut-être en retirant. Oh! Voilà. Bah alors? Alors on est vénère? Ah mais merde, elle le répare. Bon c'est pas très grave, on a réussi la tâche. Enfermer le garçon dans la cabine téléphonique. Alors déjà il faut trouver la cabine téléphonique. Qu'est-ce qu'il y a déjà à droite? Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ça c'est pas une cabine téléphonique, non. Loin de là. Alors je vais la trouver la cabine téléphonique hein. Je l'ai peut-être passée. Je pense qu'elle est là-bas, on va aller voir. On va aller checker. Ah, je peux piquer son jouet, attendez. Eh, j'ai piqué ton jouet. Il est où? Eh, j'ai ton jouet. Tiens. Ah, elle est là, la cabine téléphonique. Ok, j'ai une idée. Va falloir récupérer du coup le jouet. On va attendre qu'il repose sur le banc. Et on va amener le jouet dans la cabine téléphonique, je pense. Qu'est-ce qu'il y a ici? Attendez, il y a un truc là? Ok, on a le jouet. Go! Ah, il s'en fout du jouet maintenant, il est sur le ballon. Comment on ouvre la cabine téléphonique? Je sais pas comment on l'ouvre moi. Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Excusez-moi. Comment on peut ouvrir la cabine téléphonique? Enfermer le garçon dans la cabine téléphonique. Faire en sorte que le garçon mette les mauvaises lunettes. Ah, il faut peut-être d'abord piquer ses lunettes. C'est compliqué de piquer ses lunettes. Il a peur. Bah alors on a peur d'une oie. Je sais pas comment on va faire pour qu'il mette pas ses lunettes. Déjà faudrait trouver les autres lunettes en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a un téléphone, un taki-walkie plutôt. Ouais bon. On va regarder ce qu'il y a d'autre à faire. Faire en sorte que quelqu'un rachète ses propres affaires. Passer à la télé, faire des courses. Il y a quand même pas mal de choses à faire en vrai hein. Il y a un peu de réflexion dans le jeu finalement. Faire en sorte que quelqu'un rachète ses propres affaires. Ah, donc faudrait mettre les affaires dedans. Mais pour l'instant, il n'y a personne là. Il n'y a pas de client, il n'y a personne. Je vais prendre le ballon. C'est mon ballon! Ah, je peux pas l'attraper. C'est bien foutu, hein. On peut pas choper le ballon. Ça paraît tout à fait logique. Non, comment on ouvre du coup ça? Ah, j'ai l'impression qu'on peut pas. Alors, passer à la télé. Est-ce qu'on peut pas rentrer dedans? Non, non plus. Ça a l'air d'être totalement fermé. On va essayer de tout attraper. Hein. J'essaie de faire des conneries. Tiens! Alors, j'ai une arme maintenant, donc fais attention à toi. Au secours! Au secours! Eh, la maltraitance animale, là. Ah, je peux passer en dessous. Ah, peut-être en piquant la radio, peut-être qu'on peut passer à la télé de cette façon. Ah là, il y a des lunettes! Ah, mais oui! Regardez, il y a des lunettes là. Est-ce qu'on peut les poser ici, les lunettes? Si je lui donne les lunettes dans les mains, peut-être. Ah! Il va rechercher son jouet du coup. Je vais poser les lunettes là. Voilà. On va voir, peut-être qu'il va se tromper de lunettes, je sais pas. On sait jamais, hein. Mais je crois qu'il y a un moment où en fait il pose les lunettes. Ah mais il garde ses lunettes dans ses... bah sur ses yeux. Sur son nez. Tiens. Là il y a tes lunettes. Il a l'air d'en avoir rien à foutre hein. Tiens. Tiens, c'est tes nouvelles lunettes. Bon bah écoutez, c'est pas grave. On a déjà trouvé les lunettes, c'est déjà pas mal. Non. Oh toi. Oh toi.
Vas-y, bah, va chercher le balai si ça te fait plaisir. Moi, j'ai une arme. J'ai une arme. J'ai une arme. Ouais, ça va être un peu plus compliqué que les premières tâches. Hein. Est-ce que je peux choper la radio? Ah, j'ai l'impression que non. C'est bon. En fait, faudrait l'observer, mais faudrait voir comment il... Non mais, oh putain, il me saoule, elle. Oh, il me prend réellement la tête. Mais va-t'en, putain, c'est que des lunettes. Bah, suis-moi, vas-y. Hein. Oh là là, Oh, elle m'emmerde. Oh, elle m'emmerde, littéralement. Elle me laisse pas bosser, en fait. Moi, je bosse, moi. Ah. Attendez, on peut lui piquer ses lunettes, là. Oh. Vite. Faut prendre d'autres lunettes. C'est bon, j'ai réussi. C'est bon, il a les mauvaises lunettes. C'est bon. Excellent. C'est excellent. En vrai, c'est vraiment cool, hein, je trouve. Les tâches sont compliquées. Mais clairement, une fois que t'as trouvé comment faire, eh ben, c'est très gratifiant, je trouve. Faire en sorte que quelqu'un rachète ses propres affaires. Alors ça, par contre, je comprends pas comment faire. Comment on peut faire ça, en vrai? Faire en sorte que quelqu'un rachète ses propres affaires. Ah, je mets les lunettes du coup du gamin sur la table. Oh, il me... Oh, ouais, bah vas-y, prends tes lunettes. Ah, peut-être qu'elle va les mettre à... Ah non, c'est ces lunettes-là au gamin, en fait. Bon. On va essayer de faire autre chose. Faire des courses. Tiens, ça, on peut le faire tranquillement. Mettre dans l'empennier, brosse à dents, papier toilette. Ok, alors là, il y a... Il y a du PQ. Alors le panier il est où par contre? J'en ai aucune idée. Il est peut-être à droite. On va aller voir. Non, il y a l'air de rien avoir ici. Non. Il y a un panier quelque part, faut le trouver. On va faire les courses. Ça a l'air d'être plutôt simple. Est-ce qu'on peut entrer là ici? Non. Le panier. Oh là 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 là, y a toujours quelqu'un qui nous fait chier. La maltraitance animale. Ah, le panier est ici. Mais putain, c'est du PQ quoi. Et si je prends ton balai? Ah là, on s'intéresse au balai, hein. Tiens, je vais encore le casser, ton balai. Tiens, ton balai. Tu iras chercher le bout ici. Allez, vas-y. Allez, va réparer ton balai. Alors, je crois que c'est ça le panier du coup. Est-ce qu'on peut... Alors, je vais prendre le panier, je vais le mettre plus loin. Comme ça, on n'est pas emmerdé par l'autre. Voilà, ici. Et là, on peut mettre les choses dans le panier. Ça a l'air d'être ça. Ouais, ça fonctionne. Très bien. Brosse à dents, brosse. Alors, brosse à dents... Là-bas, il y a une brosse. On va aller chercher la brosse. Est-ce qu'on peut faire tomber la radio par hasard? Ah! On peut désactiver la radio, très bien. On a la brosse. Ça, c'est assez facile à faire. Et du coup, là, vu que le gamin voit plus très bien, peut-être qu'on peut l'emmener dans la cabine. Voilà, on a la brosse. Ensuite, il nous faut du coup... Ah, mais regardez, ils mettent brosse à dents. C'est bizarre. C'est trop chelou alors qu'on doit ramasser une brosse, c'est bizarre. Conserve détergent, fruits et légumes. Alors, fruits et légumes. Il y en avait pas mal là-bas. Des fruits et des légumes là. C'est bon, elle est en train de réparer son balai. On est tranquille. Un petit légume. Il faut le mettre dedans. Est-ce que c'est bon là? Ah mais c'est bon, en fait, même si après il sort, regardez, c'est pas très grave. Il le compte quand même dans le truc. D'accord, conserve détergent. Conserve et détergent, ça doit être... Alors, conserve et détergent. Ah, c'est ça. Non, ça c'est quoi que j'ai ramassé là? Non. Là, c'est ici. Là. Une conserve. Ah! Ah! Maltraitance animale! Maltraitance animale! Je... Oh, mais arrête, mais...
Elle est sérieuse, elle? Non, je vais aller débrancher ta radio, tu vas voir. Tiens, ta radio. Dommage, je peux pas la faire tomber et la casser. Allez, allez, on prend la conserve. Là, il y en a une. C'est bon. On y est presque. Alors, ensuite, il nous manque du coup le détergent et la brosse à dents. Le détergent, ça doit être ça, je pense. Je pense que c'est ça. La musique est vraiment cool. Ok, il manque la brosse à dents du coup. Laisse-moi travailler. Vous avez vu comment mon regard? Regard de haineuse, ça. Alors la brosse à dents, par contre, où est-ce que je peux la trouver? Faut être dans le coin, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas une brosse à dents, ça. C'est quoi, ça? Un casque de réalité virtuelle? Une brosse à dents, une brosse à dents, une brosse à dents. Alors vous l'avez peut-être déjà vu, la brosse à dents. Tiens, le parapluie! Je peux vraiment tout casser, hein. C'est incroyable. Peut-être qu'elle est tombée, la brosse à dents. Ça, c'est pas une brosse à dents, ça, on est d'accord. Elle est peut-être derrière. Non. Je sais pas où est la brosse à dents. T'es en train de taper ton... Bah peut-être pas ton fils, mais cet enfant qui n'a rien demandé. On a une bouteille. Ouais, je sais pas où est la brosse à dents. Je la trouve vraiment pas. Peut-être qu'elle est cachée quelque part, mais ça m'étonnerait. Oh, il veut jouer au ballon. Attendez, si j'emmène son ballon... Là-bas. Je sais vraiment pas comment le faire entrer dans la... Dans la cabine téléphonique, le garçon, là. L'enfant. Ouais, ça, j'en ai aucune idée. Ah, peut-être en le faisant peur. Ah, mais si, de cette façon, attendez. Si, je pense que de cette façon, on peut l'emmener dans la cabine téléphonique. Ah, voilà! Eh oui! Il est en train d'appeler. Il appelle de l'aide. Oh, oh, on va peut-être passer à la télé. Attendez, il a pas une caméra? J'en peux plus. Ils sont en train de s'enfermer. Laisse-moi entrer. Qu'est-ce qui... Ah bah je rentre, hein. Là. On peut peut-être... Ah, on peut passer à la télé, là. Regardez, on passe à la télé, j'y crois pas. C'est trop bien, ce jeu est vraiment trop bien. Passer à la télé. Eh, salut. Salut. On essaye de bien se placer comme il faut. Salut. En fait, les situations... Je trouve les situations vraiment drôles. Les situations sont vraiment, vraiment super drôles. Enfin, c'est incroyable. Ok, bon, il nous reste pas grand chose. Du coup, faire en sorte que quelqu'un rachète ses propres affaires et faire des courses. Donc, il nous manque la brosse à dents et faire en sorte que quelqu'un rachète ses propres affaires. Ça, je sais pas du tout comment faire. Je pense pas qu'il. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que quelqu'un rachète ses propres affaires? Ah, le gamin, peut-être? Attendez, on lui pique son jouet. Bon, il est en train de reprendre sa brosse et tout. Ah, j'ai compris. Et je mets. Ok, et je mets en fait le jouet. J'ai compris. Non mais, ouais, oh là. Ah, elle va le mettre en vente. Ouais, c'est bon, elle va le mettre en vente. Excellent. Et là du coup le gamin va aller racheter le jouet normalement. On va prendre aussi le ballon. On va amener le ballon là-bas. Dis au revoir à ton ballon. Parce que peut-être que le ballon... Voilà. On va mettre le ballon là. Et là, normalement, il va aller racheter le jouet. Bah alors, il est où mon jouet? Je comprends pas. Il va... Ah, attendez, il va peut-être aller chercher son ballon. Et pareil, son ballon est plus là. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il fait? Bon, écoutez, on va le laisser faire ses bails. C'est pas très grave. Bon, nous, il nous faut toujours la brosse à dents, du coup, hein, la fameuse brosse à dents. Elle doit être quelque part. En fait, je fais pas attention, peut-être. On va aller à droite. Je peux pas rentrer dans la maison, par hasard? Ah, peut-être qu'on peut rentrer dans la maison, hein. Ça m'étonnerait, en vrai, y a pas beaucoup de tâches, donc... Ah, peut-être dans la poubelle. Ah oui, dans la poubelle. Et voilà, la brosse à dents, elle est ici. Elle est juste là. Alors, non, pas la pomme.
Voilà la brosse à dents. Yes! Il est vraiment trop cool ce jeu. Franchement, sans vous mentir, je vais pas encore dire que c'est un des meilleurs jeux indépendants que j'ai pu faire cette année. Mais je trouve le concept beaucoup trop cool. Et c'est drôle en fait. C'est tellement drôle. Oh non! Du coup, attendez, non, elle est en train de récupérer tous les. Oh non, je vais devoir les remettre. En fait, ça compte plus. Oh mais non! Je dois tout recommencer. Faut que je foute le bordel dans son stand. Ah! Faut que je foute le bordel dans son stand. En tout cas, ça va devoir tout remettre. Oh, j'ai ouvert le parapluie. Trop bien. Voilà. Ok. C'est bon. La radio aussi. Voilà. Allez, on va prendre un légume. Ah, faut que je refasse tout du coup. Merde, j'ai pas pensé à ça. Mais pour moi, c'était validé. Du coup, c'était bon. Bon, on va le refaire rapidement. C'est pas très grave. Hop. Mais je suis con, la conserve. Mais en fait, pourquoi j'ai repris un légume alors que le légume était à côté? Voilà. Le PQ, on le met dedans. Il manque quoi du coup? Il manque le détergent et la brosse à dents. La brosse à dents, je l'ai déjà mise. Ah, mais elle a repris la brosse. J'ai la brosse, c'est bon. Il nous faut le détergent et c'est bon. Hop. Et du coup, on va chercher le détergent et ce sera terminé. Oh, il nous manquera. Qu'est-ce qui nous manque? Ah non, il faut qu'il rachète ses propres affaires, l'autre là. Eh, dégage! Et voilà! Faire des courses, c'est terminé. Bon, maintenant, il faut qu'il. Rachète ses propres affaires et on doit aussi enfermer la vendeuse dans le garage. Excellent ça. Alors, je vais te montrer où il est. Alors, faut peut-être lui faire peur et l'envoyer vers la. Regarde, tu vas voir où il est. Non, va plus bas. Voilà, il est là ton avion. Oh, allez, ouvert le garage. Attendez, il va racheter normalement le jouet. Elle a fait tomber quelque chose, attendez, elle a fait tomber quelque chose de sa poche. Alors, on va attendre déjà voilà, de réussir cette tâche. C'est de l'argent? Je sais pas ce que c'est, je vais récupérer ça et je vais le mettre dans le garage. On va l'enfermer dans le garage juste après. Il a de l'argent au moins? Oui, il a de l'argent. Ah! Non! Non! Non, mais tu vas arrêter? Eh hey, hey. Allez, viens dans le garage. Allez, viens dans le garage. Elle vient pas, sérieusement? Mais, elle est sérieuse? Bah. Je sais pas ce que c'est en fait. Eh, viens. C'est bon. Go. Allez, go. Et voilà. Elle est enfermée dans le garage. Désolé pour toi. Au revoir. Et bah, on a terminé du coup. On a terminé cet endroit. Alors, est-ce qu'on peut aller à la prochaine partie? Ah ouais, regarde, elle va passer par là. Et du coup, on va pouvoir passer. Que finalement, à chaque fois, l'objectif, c'est d'ouvrir cette barrière à la fin. Et on peut du coup changer de level. Et bah écoutez, il était encore plus sympa que le précédent, ce level là. J'ai beaucoup aimé. Il était vraiment super sympa. Bon, je vous rappelle qu'il nous manque une tâche au tout début. On doit faire en sorte que le jardinier porte son chapeau de soleil. Après c'est pas très grave en vrai, on n'est pas obligé de faire toutes les tâches. On essaye hein, mais... Alors est-ce qu'on va arriver maintenant? Où est-ce qu'on va arriver? Pourquoi c'est fermé là? Ah là, il y a peut-être un passage. Ah oui, regardez. Hop. Et donc là, du coup, on est dans un nouvel endroit. On est chez quelqu'un carrément. Hein. On est chez quelqu'un. Très bien. Et bah écoutez, je vous propose de faire ça la prochaine fois. Voilà. On va continuer tranquillement le jeu. Hein. C'est un très bon jeu. J'aime beaucoup en tout cas. Il y a des moments super hilarants en fait. Que je trouve vraiment drôle. C'est le fait que ce soit une oie en fait qui fout le bordel comme ça dans la ville. C'est le côté. En fait, c'est un humour très particulier quand même.
C'est un humour très particulier parce qu'il se passe pas grand chose, mais moi ça me fait rire. Voilà, donc j'aime beaucoup ce genre de jeu. J'espère que ça vous a plu, vous en tout cas. On fera du coup ce nouveau level la prochaine fois. Merci à tous, on se dit bien entendu à la prochaine. Portez-vous bien, salut.